Bien. Petit détail. Mausolée de la colline. Le maître du mausolée meurt d'envie de te rencontrer. Meurt, mort, lol. Ne le fais pas languir, ça lui briserait le cœur. Musique cool. Tu pénètres dans l'antre de la douleur. On raconte que d'horribles crimes ont été commis dans les catacombes secrètes qui se trouvent sous cette salle. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Faut taper? Apparemment, oui. Au temps du roi Pérégrin, les diablotins étaient souvent employés comme domestiques. C'était là une époque bien triste, car nombre d'entre eux étaient maltraités par leur maître. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ces petites créatures rusées aient choisi de s'allier en secret à Zarok. Le matin de la bataille de Calomère, les hommes du roi Pérégrin découvrirent avec stupeur que tous les diablotins de maison avaient disparu, emportant avec eux tous les sous-vêtements du royaume. Tu peux me croire, jamais une armée n'avait été autant dévastée avant même le début d'une bataille. Je sais pas quoi dire. Bon, il y a un diablotin en face. On va changer d'arme. Super ça. Ouais. Non, en face. Bon. La caméra veut... Je pensais pas que... Ah voilà, là il y en a un. Là il y en a deux. Non, il y en a qu'un. Ah voilà, donc il y a bien des choses dedans. Mais d'où tu sors toi? Que si j'y vais à la massue. Non, ça fait rien. Elle est jaune, ça là. Celle-là, elle est bien lumineuse en bas quand même. Les autres non, mais alors la dernière là. Oui, caméra, je sais. Viens là, toi. Ah, bah une nouvelle massue. J'en avais déjà une, j'aurais pu l'user comme je voulais au final. Ralga Maziel, bonsoir. Donc là, il y a un truc derrière, mais je ne peux pas... Bon, bah en fait, ouais, c'est... Attends. Un peu de ménage, hein, c'est vraiment mal rangé ici. Allez, casse-toi. Hop, hop, hop. Au besoin, j'ai la soluce pas loin. Merci Nino. Je suis tombé dans un trou.
Je pensais pas que ça serait un trou comme ça. Je pensais que ça allait être un escalier ou quelque chose comme ça, mais la subtilité, toujours. Ah bah tiens, on a un livre. Tu vas nous dire ce que tu penses de la voix. À toi, Ralga. Si j'étais toi, je me méfierais des diablotins. Ces chapardeurs sans scrupules iraient jusqu'à te voler les os. D'après la rumeur, ils revendent le produit de leur vol aux gargouilles marchandes. Ok, donc c'est une petite salle comme une sorte d'arène. Il y a au moins deux mobs. J'espère qu'il n'y en aura pas plus, même si bon. Et là, il va falloir casser le vitrail. Ouais, on les voit à travers. On va casser le vitrail. Suivant. Il y en a encore un, je sais qu'il y en a encore un. Voilà. Je sais. Cette voix ne me dit rien. Ah bon? Ah, je me serais trompé sur la doubleuse alors? Bizarre, elle me fait penser. Je pensais que c'était la voix française avec un peu d'effet de comment ça s'appelle? Whoopi Goldberg. Donc je me tromperai, d'accord, autant pour moi. Il manque le côté rocailleux. Ouais. D'accord, ok. Pas de soucis. On verra bien dans le générique de fin, de toute façon. Qui n'est pas prévu pour ce soir, hein, je vous le dis. Je peux chercher sur le net. Oui, pourquoi pas, Nino. Du coup, Stropole, entre guillemets, à gauche, en face ou à droite. Donc rouge, bleu ou rouge. À vous de me dire. Il faudra faire les trois, je pense, mais. Je ne sais plus combien de gobelins il y a dans quelle zone. Je vais aller à gauche. Fallait peut-être pas aller à gauche. Attendez une minute, ça glisse, c'est très en pente. Il semblerait que ce soit bien Mike. Ah! Eh ben comme quoi. Donc Mike Dara, normalement en voix française de Whoopi Goldberg. Si ça glisse, oh, j'ai peur. Non, ça va. Je suis à combien de mon pourcentage de massue là? Ok. Il y a une rune au fond, ils ont l'air d'être 3. Ah mais c'est des kobolds en fait. Il y en a un qui. Voilà, il se casse, il va chercher les copains. Ah ben voilà, c'est des kobolds. Bah, s'ils viennent un par un comme ça, à la limite. Vous pas prendre bougie, exactement ça. Allez, viens, amène-toi. Ah merde. Mais il y en a encore.
S'il y a un truc caché que j'ai pas eu le temps de prendre, j'ai bien les glandes. Bien. Ben on va aller à droite. D'accord, donc en fait, fallait aller en face. Mais il est passé à travers les pics. Il prend pas de dégâts. Tiens, prends. Ok, comment est-ce qu'on va remonter après? Je ne sais pas. Il y a des bruits bizarres. Il y a de l'or aussi. Là, il y a l'air d'avoir une porte. Attends-toi. Il y a un bouquin. Bon, on va prendre le bouquin. Le démon Vitrail est le maître du mausolée. Son âme, aussi maléfique qu'impitoyable, est enfermée dans un cœur de verre gelé. Tu pourras trouver ce terrible adversaire de glace dans les entrailles souterraines du mausolée, enveloppé dans un voile de ténèbres. Ok, donc un démon Vitrail, ça va être le boss. Premier boss, du moins. Il est enfermé dans un cœur de verre gelé. Donc on va y aller à la massue. Il est dans les entrailles souterraines du mausolée. Donc il va falloir aller encore plus profond. Enveloppé dans un voile de ténèbres, bon ben on verra bien. Bon, on va montrer l'escalier après. Là, je sais qu'il y en a 3. Je les ai vus. 4, pardon. Rune du chaos, donc il faut monter. J'ai vu la fontaine de Jouvence, si jamais vous vous posez la question, je l'ai vue. Elle a dit qu'il était dans les entrailles, donc après il faut pas redescendre. Bon allez, on se lève. La salle est... Ok. Elle est un peu grande pour une seule rune. Il y a des bouquins sur le côté. Oh mon dieu, j'avais pas vu le sol. Ça fait peur, hein. Je vais prendre ça après. Non, les bouquins ne sont pas à lire. Ok. Bon, bah. Attendez. Parce que le truc. C'est la rune de lune. Donc après, il faudra revenir sur nos pas, en fait. C'est quoi ce truc? A peur. A beaucoup peur. Ce fantôme a le rythme dans les os, mais se languit de jouer une nouvelle mélodie. Hélas, il semble condamné à répéter encore et encore cet air mélancolique. D'accord. Alors, ça a l'air d'être un boss ou un mini-boss dans une toute petite salle. Là, il y a les fioles, mais pour le moment, nos fioles à nous sont pleines. On va pour aller. Il m'a fait peur. Ah là. Pff,
Non, en fait, on va pas parler à la... Enfin, si, on a parlé, mais... Non, mais non, je voulais pas la prendre, on est déjà full... Oh là là... Bonjour, monsieur. Je vais faire de la musique avec toi, moi. Bon, il veut pas. Bon, on sait qu'on a une fiole ici, mais ça sert à rien de la prendre. Ça me paraît vraiment bizarre qu'il y ait deux fioles à côté du squelette, quand même. Pousse le bloc enflammé pour dégager le passage. Salut, un mort qui joue de la musique, il compose ou il décompose? Oh mon dieu. Merci Elferalcan. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Ah, je suis déçu qu'il n'y ait pas le chat directement sur l'écran. Merci. Une musique mortelle, tout à fait, Ralga. Et ça me fait flipper, c'est... Voilà, je me suis fait toucher, j'en étais sûr. Dégage, dégage. Voilà. Ça va en passant? Oui. Pour le moment, du moins, enfin, même si on est déjà, on a déjà eu un game over un peu plus tôt. Une minute, c'est le cœur de... Et merde. Note, on est à 96% de remplir le calice et on n'a toujours pas trouvé où était le calice. Hein. Toi non plus, t'avais pas vu qu'il y avait un bouclier. La musique s'affole, ça fait stresser. C'est là d'où on vient. Bien. C'est parti pour le boss. Quoi, non? Fallait peut-être passer la porte en premier? Oh mon dieu! Ce design, c'est un Rubik's Cube géant, le mec. Le cœur du démon est son unique point faible. Oh, merde, ça va pas le faire. Qu'est-ce que c'est? Viens là. D'accord, mais je le tape comment, moi? Il me les renvoie, il me renvoie tout. Je lis pas le chat là, je suis isolé, mais... Le bouffon vert. Bah du coup j'ai lu le chat. Et oh oh. Aïe.
Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, bon, allez, monte, voilà, c'est bien. Allez. Je m'attendais à une phase 2. Vitrail, oh mon dieu, le jeu de mots du trophée. Il a trop de vie ou il vit trop? Oh là là. Merci Elferalgan. Je mettrai le let's play en entier en temps fort sur Twitch. Donc n'hésitez pas à checker le replay directement sur Twitch pour avoir le chat à un moment donné. Et voilà, 7 ans de malheur, tout à fait. À côté, les blagues de Jake sont drôles. Merci Nino. Bien, on prend la clé. Non, c'est la sortie ça. C'est la sortie. On va aller chercher la potion qui est à côté du squelette là-bas. Sauf que avant ça. Ça. Les diablotins du mausolée de la colline, là des répétitions interminables du fantôme, ont caché ces partitions. Comme bien souvent, leur plan se retourna contre eux. Non seulement le fantôme continue de jouer inlassablement, mais il n'a aussi aucun talent pour l'improvisation. Et là, je me pose la question, est-ce qu'il faut retrouver dans le au fait completionniste, entre guillemets, pour les 100%, toutes les partitions du fantôme? Je n'espère pas, ça me paraîtrait très vicieux. Mais en même temps... Ah non, ça c'est... Pourquoi est-ce que ça s'est ouvert? Parce que là, on revient carrément sur nos pas, alors que la sortie est en face. Le calice est par ici? Ah bon, bah comme ça c'est fait. Je suis preneur de savoir où est le calice parce que là on va clairement quitter le niveau. Retourne au fantôme. Et je les avais zappés eux. Salut! Il y a une page de partition. Oh non. Non, le sol va s'effondrer. Il y a un trésor. On a raté un trésor. Je suis deg. Le fantôme. Non, c'était pas là. Mais non, t'en vas pas, c'était cool. Je suis ton plus grand fan, signe-moi un autographe, une dédicace, tout ça. Continue de jouer.
Le hall des héros m'attend. Ouais, avec plein d'argent. Bon, bah on va quitter le niveau. On prend la fiole au passage pour dire on a pris une fiole. C'est parti, fin du niveau. Vas-y, troll encore, vas-y. Te voici dans le centre commercial du Hall des Héros. Les chercheurs d'occasion devraient rester au rez-de-chaussée. Les nantis, eux, devraient fouiner à l'étage supérieur. C'est là que ça se passe. J'ai pas compris s'ils se moquaient de nous ou pas, là. Non, toujours rien d'intéressant. Quoique. Animation de bouffer les pièces, ça me rend dingue. Ah, les calices. Ah, mais ils sont retournés sur la table. On peut plus les faire tomber comme on veut, ils reviennent sur la table. Ah, mais il est là-bas. Tiens, ils en sont pas alignés. D'accord. Toi, t'as plus rien à dire. Et c'est un nouveau héros qui va nous parler, du coup. Mais attends. Ça veut dire qu'il y a combien de calices dans le jeu au total? Parce que s'ils sont alignés comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fois 2, 18, il y en aurait 18. Ok. Trop de rangement, ça m'énerve. Bonjour monsieur. Ah, Fortesque! Il paraît que ce vieil ennemi juré de Sarok est toujours vivant! Je croyais que tu avais tué l'animal. T'en fais pas, t'es un dur à cuire. Il faut lui montrer de quoi il en retourne, hein. J'imagine que Johnny Zombie va te donner un peu plus de fil à retordre qu'auparavant. Qu'est-ce que tu as comme arme? Tiens, prends mon marteau de guerre. Ça détruit tout ce que ça touche et c'est du solide. Il ne me sert qu'occasionnellement pour casser des noix par ici. Foutaise, Fortesque! Non, n'est pas une réponse! Cogne quelques têtes pour ton bon vieux Stagneur le ferrailleur, d'accord? Classe! Ça va changer de la massue. Alors, Ralgamazil, il y a 20 calices. Ah! Sachant que j'en ai déjà 3. Il y en a forcément des cachés. Ah, cool. Bon, ben... Ok. Passons à la suite.